Face à la pression russe, l'Ukraine appelle l'Union européenne à la rescousse. Le président Volodymyr Zelensky a été reçu ce vendredi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Ils ont été rejoints en visioconférence par la chancelière allemande Angela Merkel. Tous les trois ont appelé au retrait des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Objectif, favoriser une désescalade dans la région. Une réunion quadripartite devrait se tenir prochainement avec ces trois pays, mais aussi avec la Russie. Le président ukrainien a de nouveau dit le souhait de son pays de rejoindre l'UE et l'OTAN. Il nous faut à présent réagir très vite. Beaucoup pensent que c'est notre problème, celui des Ukrainiens, mais ce n'est pas seulement le nôtre, c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Et l'ensemble de l'Europe le comprendra. Il nous faut donc agir très vite et prendre les bonnes décisions. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de soldats russes ont été déployés à proximité de la frontière du Donbass, cette région séparatiste de l'est de l'Ukraine. Les heurts se multiplient. Selon le Kremlin, cet afflux de troupes vise uniquement à répondre à des opérations de l'OTAN dans la région. Ces 7 dernières années, plus de 14 000 personnes sont mortes dans le conflit entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes. Depuis le début de l'année, 30 soldats ukrainiens ont péri, tandis qu'au moins 20 rebelles pro-russes ont été tués.